this is not a quick return in terms of investment, but in long term, that's what we see the vision. 它也是实践着一带一路倡议中的共商共建共享的基本原则的。 Teknologi China ini mereka mengedepankan adalah efisiensi. 这个隧道呢，在建设过程中还是克服了很多困难。 For the mass transportation, we have to make it backbone. This is the new culture. Yang mudah-mudahan tercapai dia cita-citanya lebih baik dan lebih. Kereta cepat ini menjadi tahapan kita Indonesia dari negara berkembang menuju ke negara maju. Saya Kadapi, saya berumur 39 tahun, saya tinggal di Karawang, Jawa Barat. Saat ini saya bekerja di Jakarta, di sebuah perusahaan swasta. Pertama saya dari rumah, naik sepeda motor ke stasiun Cikarang. Rumah saya di Karawang. Itu membutuhkan waktu sekitar 30-40 menit. Peu après 4 heures du matin, nous voyons Kadapi arriver à la gare de Cikarang. Trop tôt pour nous, mais pas pour lui, parce qu'il va être en retard. What time do you need to be in the office? Seharusnya sih sudah berangkat jam kereta pertama tadi itu jam 4.13. Tapi kalau naik kereta yang kedua pun 4.28 saya masih. So how long is the whole journey? Around almost to half or two and a half hours. Two and a half wow. Until 3 hours. Wow, yes. That long. Yeah, this is hard, but yeah, it, ini harus saya lakukan. À 4h28 exactement, nous sommes montés dans le train à destination de Jakarta. Pilihan lain kenapa saya naik kereta ini juga. Tepat waktu sih, jadwalnya kan sudah terjadwal gitu, tepat waktu. Jadi saya bisa sampai kantor pun bisa tepat waktu. Iya, kalau naik mobil pribadi atau mobil yang tidak berbasis rel itu kan kemungkinan terkena kemacetan juga kan sangat tinggi, apalagi di Jakarta. Une heure et demie plus tard, 14 arrêts après, nous sommes arrivés à Jakarta. Why do you choose to do this, you know, like live in Karawang and work in Jakarta. Saya tinggal di Karawang karena pertama saya memang asli dari Karawang. Saya punya rumah di Karawang. Kalau misalkan saya harus pindah ke Jakarta, pertama properti di sana sudah mahal, rumah-rumah juga harganya sudah. Et le voyage ne s'arrête pas à la gare de Manggarai. Après une petite pause pour la prière, Kadapi se rend à la gare routière pour continuer une autre fraction du trajet de 30 minutes. À cette heure, il est un peu en retard. Mais en 2023, il n'aurait peut-être pas à se lever si tôt, il ne serait en retard. Le premier TGV d'Indonésie devra entrer en service en 2023. Et Kadapi habite tout près de cette ligne ferroviaire. Un mois avant le sommet du G20 à Bali, en Indonésie, cette gare, située à l'autre bout de ce qui sera le premier TGV d'Asie du Sud-Est, est déjà prête pour l'événement. Le tracé du TGV reliant Jakarta à Bandung totalise 142 km. Cette ligne ferroviaire est relativement courte par rapport au TGV dans les autres pays. La Chine en compte plus de 40 000 km. Mais la congestion du trafic en Indonésie est notoire.
Un romancier a écrit que les habitants de la capitale, Jakarta, passent 10 ans de leur vie dans leurs déplacements. Et il vous suffit de vivre l'expérience des heures de pointe d'une matinée pour le croire. Actuellement, le temps de trajet entre Bandung et Jakarta est de 3 heures en moyenne en voiture. Le TGV promettra de réduire ce temps à seulement 40 minutes. Kadapi estime que c'est absolument une option idéale pour ses déplacements. Kalau misalnya perjalanannya lebih dipangkas, ya mungkin sekitar 1 jam lebih cepat itu sangat berarti bagi saya. Jadi saya bisa lebih menempatkan waktu 1 jam itu untuk keluarga saya. Kalau misalkan seperti itu dengan biaya yang sedikit lebih mungkin lebih mahal sedikit dibanding biaya yang saya harus keluarkan sekarang, saya akan memilih itu jadi prioritas kereta cepat tersebut. Selon le ministre indonésien des Transports, Budi Karya, en offrant un autre mode de transport, le gouvernement espère diminuer la culture automobile dominante. We have a problem who the people have money at times by car and they can go point to point. But for the mass transportation, we have to make it backbone. Name is high speed train that concept make it the culture no traffic jam. Reduce the emission. Yeah. This is the new culture. Le ministre Karya souligne que les mégapoles comme Jakarta évoluent dans ce sens, avec des systèmes de transport par voie express et sur rail en constante expansion. Ce TGV reliera les villes et les bourgs du plus grand archipel du monde. Le plan d'extension prévoit d'aller toujours vers l'est jusqu'à Surabaya, à 900 km plus loin. Why start with Jakarta, Bandung, that route? We think big. We start small, but we focus. This is the philosophy, the project. How will this benefit, though, the ordinary commuter? They still living there in the center of Java, West Java, or East Java in that city because. Very easy, go to the Jakarta and Surabaya. Mais le TGV à lui seul n'est pas une panacée pour résoudre la congestion. Le gouverneur de Java Occidental, Ridwan Kamil, en est parfaitement conscient. It needs to be a combined strategy. Combination of high-speed train, combination of mobility culture, non-mechanical, and upgrading the public transportation within the internal. When I was a city mayor, I created a series of wider sidewalks, connecting bridges for people to walk. I created bicycle culture. Comment offrir aux Indonésiens un large éventail d'options de transport semblable à celle des pays économiquement avancés comme la Chine? La ceinture et la route, initiative issue de la Chine, a apporté une solution à l'Indonésie à travers le projet du TGV Jakarta-Bandung. Suivons la suite du programme. L'émergence fulgurante de la Chine en un pays prospère n'a pris que quelques décennies. Des routes poussiéreuses aux autoroutes à plusieurs niveaux, des vélos sur route aux automobiles. Et maintenant, en transition vers le transport plus propre, plus économe en énergie, y compris les trains électriques à grande vitesse. La technologie chinoise rivalise désormais avec celle de l'Occident et le gouvernement chinois œuvre aussi à partager la technologie et l'expertise avec le reste du monde. En 2013, le président Xi Jinping a lancé l'initiative La ceinture et la route, un projet ambitieux qui vise à connecter la Chine avec le reste de l'Asie, l'Europe et l'Afrique grâce à des projets d'infrastructure et de développement financés par la Chine. Les 4位一体的联通，聚焦关键通道。
关键城市、关键项目，连接陆上公路、铁路道路网络、海上港口网络。La Chine tient sa parole. Elle a lancé en 2015 la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures ou la BAII. La même année, le président chinois s'est rendu à Bandung, capitale du Java occidental, en Indonésie. Peu après, le gouvernement indonésien a annoncé que le premier TGV d'Asie du Sud-Est serait une co-entreprise avec la Chine. So, everything China can make now, and I remember it was a bidding process between China government and Japanese Shinkansen, yeah. But China won because the affordability during that time. Dès lors, les travaux ont été menés tambour battant. Un consortium associé des sociétés publiques chinoises et indonésiennes a été formé, avec une majorité des travailleurs locaux et une équipe d'experts et de conseillers chinois. L'un d'entre eux, Wang Kun, un spécialiste des tunnels de la société chinoise d'ingénierie ferroviaire. Nous l'interviewons in situ à l'extérieur d'un tunnel de 5 km sur un pont qu'il qualifie d'unique. So you're confident Chinese technology is the best, best applied to this project? 我可以这么讲，中国的隧道方面呢，在隧道领域的这个技术呢是全球领先的，因为我们每年建成的隧道的里程，几千公里，所以呢，我们在这方面积累了非常非常丰富的资源和经验。Sur ce point, le collègue indonésien de Wang Kun, Jamaluddin Kasim, est du même avis. Teknologi China ini mereka mengedepankan adalah efisiensi. Jadi semua pekerjaan itu harus terukur. Kondisi geologi tanah di Indonesia ini termasuk yang tidak baik atau sangat buruk bila dibandingkan dengan di China. Sehingga perlu model-model tertentu, perlu perlakuan-perlakuan tertentu sehingga kita bisa menggali terowongan ini tanpa ada accident atau kita adalah safety adalah nomor satu. Kalau untuk komponen, kalau dari sisi teknologi setiap waktu di update ya, setiap waktu selalu ada kekinian. Malgré les incertitudes géologiques, un total de 13 tunnels en travaux le long du tracé Jakarta-Bandung ont tous été percés. Selon les Chinois impliqués dans le projet, cela témoigne tant du transfert de technologie et d'expertise que de la coopération gagnant-gagnant entre les deux pays dans la pratique. Les structures et les prouesses technologiques servent de monuments perpétuels de ce partenariat. Mais les bénéfices pour les Indonésiens ordinaires se font déjà sentir avant la mise en service du TGV.
La Chine a déjà envoyé certains de ses meilleurs éléments dans l'industrie ferroviaire pour aider et former le personnel local et aussi leur procurer un emploi. Wang Kunpeng, 25 ans, est l'un des techniciens chinois dans cette ingénierie gigantesque. Ici, il est chargé d'encadrer des Indonésiens qui soudent du métal à poser sur la voie. And has it been easy working with Indonesian workers? 我来到印度尼西亚之前呢，我就很期待，因为我很早就听说呢，印度尼西亚是一个很美丽的国家。来到这之后呢，也确实是这样。我发现大家呢，就是，我们和印尼员工呢，就是相处得很融洽，就是很友好。我觉得他们很勤劳，真的很勤劳，而且呢，就是很聪明，很愿意去学。我对他们的期待就是完全脱离我们中国员工，就是他们自己可以来工作，来操作设备，来管理。目前的话确实是这样，很多岗位都是印尼员工独立来操作的，他们确实很优秀。Durant les 6 années de construction, le projet emploie près de 9000 travailleurs indonésiens. Comment ce projet change-t-il la vie de la famille d'un chauffeur de camion? Suivons la suite du programme. La construction du TGV indonésien a commencé en 2016. Elle a suscité de grandes attentes, mais il y a eu aussi une certaine déception due au report des travaux. We learned the hard way. 6 years. In China, 130 kilos is only maybe within 1 or 2 years, yeah? We do it in 6 years. Why so long? Because we learned the issue in Indonesian transportation is always about how we purchasing the land to public, and that's creating a dynamic in schedule, in budget. So now we agree the next step, we should create the route of this railway using the toll road side area. So you don't have to purchase the land. Ajoutez à cela la pandémie de COVID-19 de ces 2 dernières années. 如果说它往后延期了，那么实际上就是像你说的，很多 challenge 的因素都在里头，特别是这个 pandemic， 既要控制疫情，防止感染，还要努力的推进施工。 Or, bien que le report du projet ait causé des embêtements, 6 ans de construction, c'est aussi 6 ans d'emploi pour des milliers d'Indonésiens. Topik Hidayat avait du mal à joindre les 2 bouts du mois pour sa famille, avec seulement un boulot à temps partiel en tant que chauffeur de camion. C'est comme ça, dit-il, depuis sa jeune enfance. Ya, saya dari kecil itu berjuang sendiri, jualan es itu, keliling gitu kan. Ibu saya nggak punya, bapak saya juga orang nggak punya, dia beli es deh. Kelas 3, SD kelas 3, bantu-bantu juga orang tua gitu. Orang tua juga kan dulu jadi supir truk ya. Kerjaan kalau di jadi supir truk itu kan kadang-kadang ordernya kan kadang-kadang kalau susah ya susah, jadi nggak bisa jalan gitu. Kalau ada ya ada gitu. Jadi bos kalau punya order ya saya jalan, kalau enggak ya diam aja mobilnya juga gitu. Kalau sekarang di KCIC kan tiap hari kerja terus. How much has this improved the quality of life of your family? Ya perbedaannya lah jauh lah kalau yang sekarang gitu dari yang dulu. Gitu. Jadi saya bisa nyukupi keluarga saya sendiri gitu. Apalagi istri saya membantu dia dagang di sekolah gitu. Sangat membantu saya. Gitu. Ce type de petit commerce est appelé warung en Indonésie. L'épouse de Topik, Linda, avait voulu en ouvrir un il y a longtemps, mais elle n'avait pas toujours les moyens de le faire.
Belum, nggak ada modal. Itu juga ngumpulin sedikit-sedikit lah buat warungnya aja dulu. Kalau nanti udah punya modal, biasa kumpul-kumpul aja dulu gitu. Hmm. Langsung buka warung kalau nunggu gajian lah gitu. Merci au projet de construction du TGV. L'école de leur village a déménagé ici et le magasin de Linda a ouvert ses portes juste en face. As you can see, there are villages around this construction site. Now, along this whole stretch, there were also villages. So residents who were affected were compensated. And there was a school that was relocated and new buildings were built. Bintang, l'une des filles de Topik et Linda, est maintenant élève de cet établissement. L'élève en sixième dit qu'elle espère devenir médecin à l'avenir. Pour le moment, pouvoir jouer au football demeure ce qui l'enchante le plus dans sa nouvelle école. Yang sekarang lebih luas, yang dulu itu gak luas saja, itu agak sempit. Is it easier for you to learn? Is it more comfortable for you to learn? Main bola bermain sama teman-teman. Le directeur de l'école, Aseb Somandri, déclare qu'il y avait au début une certaine réticence au projet de l'entrepreneur du TGV de déménager l'école. Mais il n'a pas fallu longtemps pour que les enseignants et les parents d'élèves en aient vu les avantages. Sekolah lama, kita tidak memiliki yang namanya perpustakaan, library, nahef, terus lapangan seperti ini nggak ada. Dan alhamdulillah, sekarang kita memiliki lapang, punya masjid, punya juga perpustakaan. Terus kelas juga sangat mendukung karena sangat representatif dan nyaman untuk belajar mengajar. Dan juga di sini tempatnya di tengah-tengah kampung sehingga tidak terdengaran kebisingan dari kendaraan. Les parents de Bintang la voient en effet être de meilleure humeur dans le nouvel établissement. Ils ont maintenant de plus grands espoirs de voir leur fille réaliser son rêve de devenir médecin. Dia suka belajar sama teman-temannya di sini. Suka ngajak teman-temannya belajar di rumah gitu. Di rumah di sini. Dia suka ngajak teman-temannya belajar sama-sama. Senang banget ya. Enak katanya. Sekolah di sana enak, rumah sana. Iya, mudah-mudahan tercapai dia cita-citanya, lebih baik dan lebih ya, kalau dia mau jadi dokter mudah-mudahan jadi dokter untuk menolong orang lain gitu. Dan mudah-mudahan ada rezekinya gitu buat dia. Bintang s'approche d'un pas de plus de son bel avenir. Mais maintenant, ce qui la rend heureuse est que son père a enfin les moyens de lui offrir un vélo moteur. Senang. Karena papa itu nambah rezekinya, dibeliin baju, dibeliin makanan, sama sepatu. Nah, teman-teman itu sudah bisa motor, nah terus Bintang diajarin sama papa buat bisa motor gitu, biar bisa ke mama gitu. Un vélo moteur neuf, un nouveau magasin, une nouvelle école, ce sont des fruits tangibles. Mais la joie de l'indépendance financière est hors de prix. Plus que de décongestionner les routes du pays, les responsables indonésiens prédisent que le TGV donnera une dynamique au développement économique le long de cette voie ferrée. La gare de Halim, tête de ligne du TGV Jakarta-Bandung, est elle-même un centre d'activité économique. Elle a la taille d'un petit aéroport et abrite des magasins, des restaurants ainsi que d'autres services de base et financiers. Ok, so where are we going? Where does this lift take us? Yeah, we go to the third floor. The floor of the first station for the high-speed railway in Jakarta. Dan di sini kita berada di lantai 3. Di sini kita mempunyai ada 6 plan, 6 track. Kemudian nanti kereta juga akan ada di sini. Kemudian nanti meluncur ke mainland yang ada di belakang kita, menuju ke Bandung. Lokasi ini memang nantinya akan menjadi pusat untuk intermoda. Jadi di sini tidak hanya kereta cepat,
Tapi di sebelah sana nanti akan terkoneksi dengan LRT Jakarta, kemudian ada juga LRT Jabodetabek, serta ada busway. Jadi area ini memang dibuat cukup besar, dimensinya panjangnya 400 meter, dan juga menjadi titik awal dari keberangkatan dari Jakarta menuju Bandung. Area platform ini merupakan lokasi tempat kita naik keretanya. Harapan saya adalah semua negara maju itu memiliki kereta cepat. Nah, kereta cepat ini menjadi tahapan kita Indonesia dari negara berkembang menuju ke negara maju. Le programme de développement des environs de la gare s'avère plus ambitieux. And what about all this land here? What's going to happen here? So, in front of us there is a TOD, Transit Oriented Development, including the apartment, hotel, development. Okay. Yeah. Apartment, okay. Hotel maybe, and then some commercial area, of course, and residence. So here? In front of us. In front of us. So the boundary is here. So in front of us, here, until the corner. They can use any transportation connected to other area. Even the tuk-tuks? Beca maybe. Maybe, huh? Bajai. And Gojek and Grab, right? Gojek. Gojek and Grab also maybe here. They already have some visit here. C'est un plan directeur qui reflète ce qui a été la feuille de route pour l'essor de l'urbanisation de la Chine. À l'issue des études, des experts chinois ont constaté que le TGV produit des effets d'entraînement sur la croissance économique en dopant le PIB et en accroissant l'emploi. Ajoutez à cela la construction de routes, de métros et d'aéroports. La Chine est ainsi devenue l'une des économies ayant la croissance la plus rapide du monde et l'Indonésie espère pouvoir faire de même. So, when we have this high-speed train, it will promote what we call it the new economic growth. Yeah, because within the stops of this high-speed train, we are agreed to plan a new town. So it's not just a means of transportation, of transporting people and goods, but also a means to create a series of new town development, because we have to, what we call it, disperse, yeah, the density of Bandung. We know this is not a quick return in terms of investment, but in the long term, that's what we see the vision. Une vision commune et un avenir partagé. Les destins de la Chine et de l'Indonésie ainsi que des autres pays de la région sont très étroitement liés. Une famille, une école, un TGV et une ville. Tous ensemble à bord.